Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va voir le nettoyage énergétique, 5 méthodes pour purifier la maison. Brûler de la sauge blanche en circulant dans toutes les pièces de la maison est une technique classique mais qui fonctionne. Sous forme de bâtonnets d'encens, la sauge blanche est un purifiant naturel qui conviendra aussi parfaitement pour être utilisé dans le coin yoga. Du vinaigre et de la cannelle pour repousser les mauvaises ondes. Le vinaigre est un nettoyant efficace et écologique pour la maison qui peut être utilisé dans nombreux cas. Nettoyage des vitres de vos fenêtres, de la porte de la cabine de douche, de la terrasse, des sols intérieurs, débouchage des canalisations. Quant à la cannelle, elle permet d'ouvrir l'accès aux émotions et à l'harmonie. Remplissez un seau d'eau, ajoutez un verre de vinaigre, nettoyez toute la maison, faites bouillir des bâtonnets de cannelle dans de l'eau, versez le mélange dans un seau propre, ajoutez de l'eau froide, passez la serpillière imbibée de l'eau, de cuisson, de la cannelle dans toute la maison. Du gros sel pour absorber les esprits malfaisants. Procurez-vous du gros sel et placez un bol dans chaque angle de toutes les pièces de la maison. Plus les grains sont gros, mieux ils font leur travail et absorbent efficacement les mauvais esprits. Déplacez les meubles pour fluidifier les énergies. Il suffit parfois de bouger quelques meubles dans vos pièces de vie pour améliorer la circulation des habitants, mais aussi des énergies. Faire du rangement, mettre de l'ordre dans son esprit. Faire du tri dans ses affaires, jeter et ranger est très bénéfique pour l'esprit. C'est un bon moyen de repousser les mauvaises énergies de la maison en créant un nouvel environnement propre et bien tenu. Ajoutez de la verdure à votre intérieur. Agrémentez votre décoration tout en profitant des énergies positives transmises par les plantes. Elles attirent les bonnes ondes naturellement et seront parfaites pour compléter votre grand nettoyage énergétique de la maison. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon sur le nettoyage énergétique. J'espère que tous ces conseils vous auront plu et qu'ils vous seront très utiles pour purifier votre maison. Je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Habita presto !